je suis ici aujourd'hui, d'abord parce que nous sommes le 8 mars, donc c'est la journée internationale des droits de la femme, et donc des droits des femmes. Et donc, à travers ma présence ici, c'est pour soutenir l'entrepreneuriat social, au féminin notamment, et pour saluer toute la dynamique qu'apporte le MOUV dans ce soutien à la créativité, à l'entrepreneuriat féminin. Je peux ajouter là qu'il y a 67% des femmes qui sont salariées et seulement 30% qui sont chefs d'entreprise. Donc il y a vraiment un travail à faire, une dynamique à apporter. Et à travers le programme Leader, eh bien le MOUV, à travers ce programme-là, accompagne ces femmes qui souhaitent créer leur entreprise, qui souhaitent accéder à un niveau de responsabilité. Je tiens à saluer ceci tout particulièrement parce qu'on voit comment, outre le fait d'avoir un objet, de créer son entreprise, eh bien, il y a aussi les problèmes inhérents à une femme, les problèmes familiaux, enfin, tous les problèmes. Et cet accompagnement, il est fait à travers ce programme Leader avec les marraines, avec les filleules pendant 10 mois. Et je trouve que c'est vraiment un programme intéressant. Bien, le MOUV, outre l'accompagnement de l'entrepreneuriat qu'il peut mettre en place, eh bien, il aide à sa structuration. Et j'étais il y a quelques jours à l'Impact Investing Tour, et du coup, il y a la création d'entreprise, mais il y a aussi son financement, il y a aussi sa structuration. Et donc, il y a cette dynamique qui est vraiment apportée là, dans l'entrepreneuriat social.